Ah là là là, petit filou, je sais que t'attendais ce petit morceau de jazz avec impatience. Petit morceau de jazz vocal féminin. Et d'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Laquelle va être meilleure? Putain, mais moi je kiffe de ouf tous ces comparatifs, bordel. Tu sais que je suis le. Bah, je pense être dans le monde. Ouais, au niveau mondial, je pense être le seul à être. À faire ce genre de choses et à autant kiffer parce que j'y prends déjà un plaisir monstre. Et puis quand je vous fais ça, mais franchement, c'est pour moi, c'est devenu c'est un petit déj, quoi. C'est un petit déjeuner, c'est une façon de vivre. Voilà, pour moi, je pourrais pas vous faire des comparatifs sans vous apporter une petite touche de, on va dire, de comment ça s'appelle, de mon avis, en fait, de mon propre avis. Et puis bah, voilà, vous. Enfin, je pense que c'est le côté humain, tu vois, qui est très important et que malheureusement on n'a pas forcément avec d'autres comparatifs sur certaines vidéos que j'ai vues sur YouTube. Des fois, tu as des trucs, c'est voilà, tu as une musique, tu en as une autre. Voilà, t'as une. Bon, ok, la transition elle est belle. Alors, j'avoue, pour le montage vidéo, je suis une grosse quiche puisque tu sais très bien que je ne fais pas de montage vidéo. Je fais pas de montage vidéo pour plusieurs raisons, hein. Mais quand tu vois les autres qui vont faire leur montage vidéo. Au final, t'as pas, tu sais pas ce qui se passe. Tu vas écouter, mais voilà, c'est. T'as rien en fait, t'as pas d'avis, on te dit pas qu'est-ce qu'il en est ou quoi. Alors que je trouve ça super important de pouvoir délibérer, d'avoir un avis sur les enceintes au moment où tu les écoutes, de te dire tiens, bah, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que là le médium il va être bon? Est-ce que tu vas avoir un effet live? Est-ce que l'aigu va être filant? Est-ce que l'aigu va être. Bah, va être trop exacerbé. Est-ce que le grave il va être trop sec? Est-ce que le grave il va être en retrait? Il va être percutant? Il va descendre? Tu vois, il va jouer les cymbales et compagnie. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de dingue en fait. Parce que. Enfin voilà, moi les gars, de toute façon, je pense que même ma chaîne, je vous cache pas que personnellement, je m'en fous de ce qui va. Comment dire? Voilà, de pas faire comme les autres. Certes, j'avoue, je suis dans un mood complètement différent. Je suis complètement différent de tout ce que les autres peuvent faire. Mais en même temps, c'est ma personnalité. Tu vois, je suis quelqu'un qui est très naturel, qui est très expressif. Et à travers ces écoutes-là, eh ben, je pense que je peux t'apporter le meilleur qui soit. Enfin, j'essaye de t'apporter le meilleur parce qu'après, c'est vrai que moi, mon avis, il est comme ça. C'est pas forcément l'avis, on va dire, le maître mot de l'histoire. Mais en tout cas, j'espère vraiment, à chaque fois que tu vois que je donne un avis sur des enceintes, j'espère vraiment que les personnes, quand ils vont acheter du matériel, ou quand ils vont le rechercher, bon après moi c'est vraiment du matos, il y a des fois c'est du matos rare, mais là pour des enceintes comme ça qui sont assez. Les manettes, elles sont assez communes, quand je te dis, voilà, tu peux les prendre, vas-y, sur le rock, tu vas vraiment te faire kiffer, tout ça, machin. En principe, les gens, ils sont pas déçus. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir derrière, c'est-à-dire que mon ressenti, en fait, il va être unanime, si je puis dire. Unanime dans le sens où voilà, tout le monde va être plus ou moins en accord. Après, je suis d'accord que bon, on n'a pas tous la même oreille, tout ça, mais d'un point de vue global, j'ai quand même j'ai plus d'avis positifs que négatifs. Donc voilà. Après voilà, j'ai pas une oreille d'or, hein. Loin, loin de là, loin de là, loin de là, mais voilà. Même sans reconnaître tous les instruments en te disant là, tiens, c'est un clavecin, là, c'est un violon, une trompette. Enfin, tous ces instruments, voilà, j'arrive quand même à avoir une définition qui me permet d'arriver à juger quand même correctement la restitution de son d'une enceinte. Voilà, les gars. Bah, c'est ce que j'avais à vous dire, voilà. Bon, bah, c'est fait, c'est fait. Et puis bon, on s'écoute ce petit son de jazz. Allez, c'est parti. It's cold.
C'était intéressant, hein? C'était intéressant. Alors là, bah ouais, les Maniates, j'aime beaucoup les Maniates. Ouais, j'aime beaucoup leur petit côté jazz, très très suave, très cool. Et Serving Vega, j'aime bien aussi, mais j'ai l'impression que le médium a un peu en retrait au niveau de la voix, mais ouais, si, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais j'aime beaucoup les voix féminines sur la Maniate. J'aime bien. L'écoute, elle se passe vraiment très en toute tranquillité, en toute douceur avec les maniates. Ouais. J'ai bien aimé là le jazz vocal féminin avec les maniates. Même si avec les Serving Vega aussi j'aime bien, mais c'est différent. En fait, c'est ça le truc, tu vois, c'est le côté différent. Et c'est surtout ça qu'il faut accepter. Je pense que c'est important, hein, de se dire que c'est pas forcément plus mauvais, mais différent. Voilà. Tout comme je le dis quand je parle du son live et d'un son avec une. Quand t'as la chanteuse qui est, tu trouves devant toi ou t'as la chanteuse qui va être sur scène. Voilà, c'est deux approches différentes, mais des plaisirs différents aussi. Et ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Et ouais. Ah, et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Bon, allez, on va continuer sur la lancée là. Enfin, sur la lancée. La lancée, elle est très longue, hein, parce que je peux te dire que ça fait un moment qu'elle dure la lancée. Ça fait déjà quelques heures. Mais. Bon, on va essayer de finir sur 2-3 sons là, je sais pas quoi encore, je vais regarder ça.